On est OK. Bon, ben j'espère qu'elle sera dans les meilleures dispositions. En tout bien, tout honneur. Ici on monte là. On passe par là, on descend là. Ok, c'est bon. Et on fonce par là. Bon, bah, ça aurait été plutôt rapide. J'ai identifié les hommes qui ont volé votre argent. Vous aviez raison. Il s'agissait de membres de la soi-disant milice. Je le savais. Et l'argent, vous l'avez retrouvé? Ils avaient déjà tout dépensé. Non, on va lui donner. Oui, le voici. Ils pensaient pouvoir l'utiliser pour financer leur activité. J'aurais jamais cru qu'un homme comme vous serait assez gentil pour me... Bon, je me suis trompé. Sacrément. Je n'ai... Merci, monsieur. Vous allez rendre l'argent à vos camarades? Ces enfoirés sont responsables de mon renvoi, alors qu'ils aillent se faire foutre. Je vais donner l'argent à Madame Guilly. Tu verras ça. Ok. Y a rien de plus. Ah, à propos de la mort. Je sais que vous étiez ami avec Jack, le fils de Madame Guilly. Parlez-moi de sa mort. La mort de Jack a vraiment choqué tout le monde. Quartier. C'est la preuve que la situation est devenue incontrôlable. Et pourquoi cela? Il y a toujours eu des frictions entre les White Bot Boys et le syndicat. Mais un meurtre, ça c'est une première. Qui l'a tué? Personne ne saurait jamais. Une chose est sûre, que Jack était encore en vie. J'avais une raison au moins. Ok. Pourquoi est-ce que cela... J'aurais aimé trouver le temps et moyen de dire à quel point il comptait pour moi. Avant qu'il soit trop tard, un échec de plus pour Giselle Paxton. Ok. Elle est amoureuse de lui. Enfin, je pense que c'est ce que j'ai compris. Tac, 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 tac. Bien, je vous laisse tranquille. Au revoir. Ensuite, il y avait une autre mission qu'on pouvait faire. Non, pas ça. Désolé. Alors ici, au niveau des missions. Tac, tac. Ouais, d'ailleurs. Ok, y a rien. Comment tu fais pour l'utiliser, lui? Je sais pas comment on fait pour l'utiliser, ce truc. C'est embêtant. Comment tu fais pour utiliser ça? Ah non, c'est vrai, j'avais un truc à... Oh, c'est pas vrai à chaque fois.
Alors ici, c'est ça que je voulais voir. Lui, prendre des affiches dans le tas, choisir que faire à propos de la campagne, afficher, coller 5 affiches dans les rues des docks d'East End, brûler toutes les affiches. Chasseur de vampires émérite. Ouais, on va peut-être le saborder lui quand même. De toute façon, j'ai tout cleané, donc là je serais plus embêté. Soit je colle tranquille, soit je brûle. D'accord. Comment ça marche leur truc là? Ah ouais. Attends, il y a un truc qui va pas là. Non, je suis sorti de la zone. C'est derrière. Y a rien là. Va être encore laborieux cette histoire. Ok, ça doit être ici. 22. On se rapproche. J'avais pas vu. Ça non plus. J'aurais bien pris la masse. D'un autre côté, à utiliser, ça doit pas être évident. 50, 38, 18. 4, ici. Bon, tant pis, on va l'aider. Mais pourquoi je peux pas les brûler? Bon, tant pis, on va l'aider. Allez. Après tout, mon héros de vampire, mon héros de concurrence. Pas grave. On élimine la concurrence. Puis bon, comme le Pruven vole les gens. Oh la vache, c'est tranquille. Bon, après j'avais tout cleané avant. Parce que là, normalement, on avait déjà 5 combats faciles.
Bon, ça c'est fait aussi. Si ça peut alerter les gens. Et là-bas? J'ai collé vos affiches d'intérêt général, la population est maintenant au courant de la menace vampirique. Merci Docteur Reed. Vous ne vous rendrez peut-être pas compte, mais vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Pensez-vous vraiment que cela sera évidemment cuit? Prenez l'exemple de ce triste saint. Un homme seul peut aider énormément de gens, considéré comme protecteur secret de ces hommes et femmes. Ok. Rien de neuf. Ah si. Pourquoi... Dites-moi, Ichabod. Pourquoi le protecteur? Parce que c'est un homme extraordinaire, dévoué et pieux. Son refuge est ouvert à tous. D'où qu'il vienne, c'est vraiment admirable. Ok. Rien de plus. Rien de plus. Ok, ça c'est fait aussi. De ce fait. Alors, de ce fait, de ce fait, de ce fait, qu'est-ce qui reste? Il reste ça. Alors ici. Hop, hop. Là on a quoi? Parler à l'homme qui se cache dans les égouts. De ce fait, on a tout fait ici. Hein. Sur les autres. Rassurer Thelma à propos des espions. D'accord. Ça, je ne l'avais pas fait. Trouver quelqu'un qui sait lire le braille. On a pratiquement tout fait. Hein. Et lui, il se trouve où? Ah, il se trouve carrément dans une autre zone, lui. Bon, on verra bien. Là, pour l'instant, je crois que on a tout fait. Ici. On va continuer. Tant qu'on est là. Ouais, le peuple travaille encore 7 heures. Votre soupe. Ok. C'est quoi? C'est du sang là qu'elle est en train de... M'a l'air. Nettoyer le sol dans un truc pareil. Alors ici, il y a quoi? Là. C'est bon. Feuille de papier pliée. Ok. Rien ici. Ah bah il est là lui. Des vis. Ok. Cinq shillings. Braquer un truc qui aide les gens, à mon avis, c'est pas la meilleure solution. Davis. Bon, je viendrai le revoir après, et je vais d'abord faire le tour. Rien là. Ça tombe, je suis en train de me mettre tout le monde à dos, là. Là, c'est où ils font la soupe. Ouais. Tartrate féreux. Y'a rien là.
Verrouillé. Il y a beaucoup de trucs verrouillés. La bombe a explosé à l'aube devant l'usine de munitions d'Ossendom, le plus gros employeur du quartier. La détonation a fait exploser toutes les vitres des usines du nord de Soswark. Et c'est un miracle de ne déplorer que deux victimes dans cette attaque, a attesté le commissaire du visionnaire Alexander Bricklin. Oui, bah ça, on l'a réglé, ça. C'était le syndicaliste qui était au... Comment ça s'appelle? Au bar? Shilling. Vache. Ok. On a fait tout le secteur, je crois qu'on peut monter en plus. Oh, c'est un hôpital annexe, hein, leur truc là. C'est pas un refuge de nuit, ça. On vient de par là. On va par là. Bon, sinon, on l'a déjà trouvé, hein, mais bon. Allez, on va par là. Des vis, de la poudre d'aluminium. Vis encore. Permanganate de potassium.